Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour deux petites histoires secondaires, pour continuer Bleach. Avant de commencer, attendez, excusez-moi, ça commence. Voilà, deux petites choses. Premièrement, je suis malade, ça doit s'entendre un petit peu à ma voix, donc je vais couper mon micro régulièrement pour tousser. Secondement, peut-être que la qualité du micro n'est pas terrible, car en fait, entre l'épisode précédent, là, le 75, et cet épisode que vous regardez actuellement, j'ai tourné The Crew, la vidéo sur The Crew, que vous avez vue si vous avez un compte plus 18 sur YouTube. Étant donné que j'étais très vulgaire, j'étais obligé de mettre une limitation d'âge. J'en suis désolé, mais voilà, si vous l'avez pas vu, je l'ai fait, la calice de vidéo sur YouTube. Oui, pour éviter d'être vulgaire, maintenant je vais utiliser les expressions québécoises. Voilà. Même si je suis pas québécois. Mais voilà, donc ça c'est fait. Excusez-moi, et donc on va passer donc sur les histoires secondaires. Ah oui, et donc oui voilà. Et donc le micro, hein, si vous avez vu la vidéo de The Crew, j'ai claqué mon micro à la fin de la vidéo. Je l'ai pété. Bon, donc c'est toujours celui-là avec lequel je tourne. Mais il a pris cher. Donc il est possible, je sais pas, qu'il y ait peut-être des grésillements, qu'il y ait peut-être. Voilà. Bon, apparemment il tient encore le choc. Mais il est clairement en fin de vie. Voilà. Donc, la page de l'amitié, on va donc recevoir une histoire qui s'est passée entre Toshiro et Karin Kurosaki. Donc, Toshiro Itsugaya et Karin Kurosaki. Où, de mémoire, Itsugaya cherche Karin et Karin a besoin d'Akuma pour gagner un match de foot. Et Itsugaya se montre doué avec un ballon de football. Voilà, c'est un épisode vraiment très très sympa que j'aime beaucoup. C'est un hors-série, mais clairement, il est très très cool. Alors, hop. Alors, actuellement en équipe d'entraînement. Alors, oui, ça y est, je l'ai eu. Enfin, vous l'avez peut-être vu sur mon Facebook, mais j'ai eu. Excusez-moi, j'ai eu Yachiru. J'ai eu la version Yachiru Guerre Sanglante 2000 ans. Voilà, puis en conversion de médaille, j'ai eu. Voilà, Rukishio, qui est un arc hors série qu'on n'a pas vu dans le jeu, je crois, mais qui annonce peut-être qu'on la verra dans un arc hors série. Ça, j'ai très hâte. Parce que c'est un arc que j'aime bien. L'arc avec les Bakuro. Non. Les Bakuto. C'est ça. Les Bakuto. Qui sont donc des Unpacto alternatifs. Mais qui se nourrissent de l'énergie spirituelle de leur. Voilà. Puis on suit donc notamment l'aventure de cette jeune fille qui est issue d'une famille riche. Enfin voilà. Donc voilà, donc j'ai ces deux personnages-là, puis je suis en train de monter également Icon, qui, voilà, c'est un des, je crois que c'est le troisième siège du centre de développement technique, donc le troisième siège de la 12e division. Voilà. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Je suis dans un groupe également. On est. Alors, j'étais dans un premier groupe qui était très très inactif. Là, j'ai essayé de créer mon propre groupe, mais personne n'est venu. Et donc, j'ai rejoint encore un groupe français. Et là, bon, bah, ça. Tout le monde n'est pas actif, mais on. Le peu d'actifs qu'il y a ont la volonté de monter dans le classement. Donc, voilà. Voilà, donc à l'époque où Ichigo s'entraîne avec Shinji et les Vizards afin de contrôler son holo intérieur. Ichigo, je suis sûr qu'en ce moment, quelque part. Eh merde. Oh non, j'ai frappé le ballon trop fort. Tiens. Il est à toi ce ballon? Oui. Tiens.
tu devrais faire plus attention. C'était une passe parfaite. Est-ce qu'il jouait au foot? Est-ce qu'il jouerait au foot? Voilà, donc en fait, c'est encore une fois, le problème du jeu, c'est que c'est plutôt mal animé. Il n'y a pas les screens qu'il faut. En fait, Karine a son sac de foot dans un filet, je crois. Puis elle tape dedans avec son pied et pas de bol, le filet lâche et donc le ballon part. Et c'est Itsugaya qui le récupère et qui lui fait une passe assez épique dans mes souvenirs, mais voilà. Oh là, il faut que je me dépêche, les autres m'attendent. Icon qui tire au bazooka, ça me fait marrer. Bazooka, explosif et tout. Il est sympa comme perso, hein. Il est très très comique au niveau... Et donc oui, la... Je suis désolé, j'arrive pas à retenir le nom de cette jeune fille. Rushiru. Enfin, je l'ai eu dans l'échange de médailles. Voilà, j'avais 800 médailles qui traînaient, donc généralement je fais des échanges de personnages, ça me permet d'avoir des orbes. Bon, voilà. J'essaye d'en avoir un maximum par ce biais-là. Mais bon. Mais encore les types de l'autre fois, on dirait des collégiens. Désolé, mais là, on se sert du terrain, vous pouvez utiliser le bord, il est libre. Ne te fiche pas de nous, c'est notre horaire, respecte le règlement. Pour des gamins en primaire, un petit espace suffit. Je vous avais prévenu de ne pas réserver le terrain. Voilà, donc il y a... Il y a les collégiens qui emmerdent un peu les primaires. Vous croyez vraiment meilleur que nous? Dans ce cas, on n'a qu'à faire un match. Si vous êtes sérieux, montrez-nous ça. Voilà, ça fait un petit peu shonen. Shonen un peu Olive et Tom, j'aime bien. Même si Olive et Tom, je suis pas fan d'Olive et Tom, mais c'est. C'est sympa. Enfin, c'est. Il y a ce petit côté, j'aime bien. Karine, que va-t-on faire? T'aurais pas dû accepter. C'est bon, on va gagner. Allez, on se motive. Va falloir réfléchir à un plan. Ah, Karine, on pourrait demander à ton frère de nous aider. Désolé, mon frère est en voyage, il ne pourra pas. On va chercher quelqu'un de fort en foot. Et là, évidemment, ça a tombé sur Itsugaya. Plus, vous savez qu'Itsugaya, c'est mon capitaine préféré. C'est vraiment le capitaine que j'adore. Il a du charisme. Puis c'est un petit génie, donc franchement, c'est un personnage... Voilà, c'est un capitaine que j'aime beaucoup. Donc quand il y a hors-série avec lui, honnêtement... Bah c'est pour ça que j'aime bien aussi Damon Dust Rebellion, malgré les quelques incohérences du film. Tout à l'heure, tu as ramassé mon ballon, merci, de rien. Dis, tu vas à quelle école? Tu m'as fait une super passe pour me rendre mon ballon ce matin. Tu dois avoir joué au foot. Peut-être, et je ne vais à aucune école. On doit jouer un match, tu pourrais nous aider? Attends une minute, Karine, tu l'as regardé, t'as vu ses cheveux et ce regard méchant, et puis c'est un nain, alors ça, qui tu traites de nain, alors ça c'est c'est assez comique, j'aime bien l'humour, il exagère, tu n'es... Je rentre, au revoir. Mais non, attends. Ah ouais, ça y est, l'épisode me revient. Au départ, Itsugaya va refuser. Puis il y a un petit peu l'esprit chevaleresque qui va prendre le dessus. Évidemment. Parce que Bleach est avant tout des valeurs.
Alors, petit message, voilà, Fred du Grenier a sorti voilà, deux vidéos sur ses mangas préférés. La première, c'était sur les mangas d'humour. On va pas en parler parce que j'ai regardé DMC, donc alors pas Devil May Cry, mais Detroit Metal City, voilà Detroit Metal City. Et ok, si on le prend avec humour, ça passe. Mais en tant que métalleux, je me suis senti insulté. Voilà, je le dis comme ça. Donc Detroit Metal City, vraiment, si on le prend avec humour, ça passe. Mais c'est clairement pas représentatif du mouvement métal. Voilà, je tiens juste à passer ce message-là. Et deuxièmement, dans la deuxième vidéo, il a taillé un petit peu Bleach. Je dois vous avouer que ça fait un peu mal. Ça m'a fait un peu mal. Donc, voilà. Voilà, je voulais juste te donner le message, c'est que ce qu'a dit Fred, notamment sur Bleach, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, loin de là même, c'est dommage en fait qu'il n'ait pas accroché plus que ça. À mon avis, quand il parle de deuxième saison de l'animé, à mon avis, il parlait plus des Bunt. C'est vrai que les Bunt, bon, ça, c'est autre chose, ça n'a pas accroché. Enfin, c'est pas un arc qui est le plus passionnant, c'est vraiment l'arc qui a fait tampon en fait pour la suite de l'animé. Bon, mais faut s'accrocher à Bleach, hein. Honnêtement, il y a plein de bonnes valeurs, il y a plein de... voilà. Bon, voilà, c'était ma petite parenthèse, voilà, et donc, voilà, Detroit Metal City, regardez-le si vous voulez aussi, mais gardez en tête que ce n'est pas du tout représentatif du mouvement métal, clairement pas. Attends une seconde, je te dis... Tu vas voir, tiens. Oh oui! Cette reprise de volée d'Itsugaya. Ah, magnifique! Magnifique! Trop forte et géniale. Comment tu t'appelles? Toshiro Itsugaya. Alors, je suis pas très très fan de foot, hein. Je vous avouerai, je suis pas du tout footeux. Dit Toshiro, tu viens nous aider pour notre match, hein? Non, je ne... Bip, 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 bip. Voilà. Encore cette sensation. Un holo, et je suis le seul à proximité. Et où tu vas? Tu es là, je m'en doutais. Encore toi. Pourquoi tu n'es pas venu à l'entraînement? On t'aurait invité. Je n'ai pas dit que je viendrais. Et puis, je n'ai pas le temps. Comment peux-tu être aussi occupé à ton âge? Ne va pas par là. Que... c'est parce que j'ai comme un mauvais pressentiment. Impossible, tu... Quelqu'un s'en est occupé. Toshiro, il y a un problème. Non, ce n'est rien. Ah bon? Dis, tu viendras à l'entraînement demain. Donc voilà, donc Toshiro a bien vu que Karine ressentait la présence de Holo. Peut-être. Et donc, ça va l'intriguer un petit peu. Il n'a pas fait... comment? Vu qu'il ne sait pas qu'elle s'appelle Karine Kurosaki, Toshiro n'a pas fait le rapprochement avec Ichigo Kurosaki. Il ne sait pas que c'est la sœur d'Ichigo, hein. Qu'on soit bien clair, mais la révélation va lui être faite plus tard. Voilà. Après, sinon, pour revenir rapidement sur la vidéo du joueur du grenier, j'ai regardé également le truc là du professeur Kuro. Alors, j'ai regardé la première saison en entière, j'ai pas eu le temps de regarder la seconde. Ouais, ça c'est sympa. C'est plutôt sympa, mais je ne comprends pas comment le mec... Enfin,
Il y a une grosse, enfin, pour moi, il y a une grosse incohérence de scénario, mais après, l'humour est présent et c'est très sympa comme manga. Quand l'adversaire arrive, comme ça, tu passes par ici et... Excusez-moi. Capitaine, vous espionnez à la Rengiku. J'adore ce sprite de Rengiku. Elle est trop belle. Clairement, c'est... Oh, purée. Attendez. Il y a des motos qui passent dans la rue. Je sais pas si vous les avez entendues. Capitaine, vous espionnez? Pas du tout. Quelque chose me préoccupe. Ça alors, vous êtes tombé amoureux d'une humaine? Non, franchement, ce sprite de Rengiku est juste magnifique. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais oui, vous n'avez pas à avoir honte, vous savez. Ça suffit. Allons, capitaine, ne partez pas comme ça. Mais non, Itsugaya n'est pas amoureux de Karine. L'élu du cœur de Toshiro, c'est Momo. Évidemment. Pas comme ça. Sais plus qui est-ce qui m'avait dit à l'époque. Oui, il y aura une romance entre Karine et Itsugaya. Non, non, c'est pas possible. Itsugaya est amoureux de Momo. Non, juste non, c'est pas possible. Je sais plus qui est-ce qui m'avait sorti ça. Le jour du match, Toshiro ne viendra plus. Et personne n'a accepté de nous aider. Que faire? On ne fera pas mieux de... on ferait pas mieux de présenter nos excuses. Arrête maintenant qu'on est là, on va jouer. Allez, en avant. J'ai réussi à échapper à celui qui me marquait, c'est le moment. Yeah. Ah. Il n'y a pas le... Karine, ça va? Il n'y a pas de... Ça manque d'image, d'illustration, hein. Clairement. C'est rien du tout, ça. Allez, on continue. Donc, en fait, il y a un collégien qui l'a frappé à la jambe et elle est clairement blessée à la jambe. Enfin, voilà. C'est ce qui s'est passé. Ok, on continue. Je sais pas si on va faire qu'un seul hors-série lors de cet épisode, mais ou si on va pouvoir faire les deux en un seul épisode. J'en sais rien. Les collégiens sont vraiment forts. On va perdre si ça continue. Vous parlez comme des perdants. Toshiro, tu es en retard. Je n'avais rien promis. Préparez-vous à subir notre contre-attaque. On va remonter en un clin d'œil. Et une seconde, je ne suis pas venu jouer au foot. Tu es blessé? Ce n'est rien du tout. Ah, je n'ai pas le choix. Il suffit de gagner, c'est ça? Donc voilà. Donc évidemment, Toshiro a vu que Karine était blessée et l'esprit chevaleresque de Toshiro prend le dessus et se dit, bon, on va y aller. J'adore Toshiro. C'est idiot, hein. C'est ça, c'est idiot. Non, c'est des valeurs. C'est et comme quoi, bah, les valeurs. Enfin, voilà. Je trouve ça cool parce que c'est vraiment. Il a pas envie, mais ses valeurs prédominent.
Et cette valeur d'esprit chevaleresque, c'est pour lui un devoir, au point que ça en devient presque une corvée de devoir les respecter. Mais il les respecte, quoi. Et fidèle à lui-même, quoi, jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment un comportement que j'adore chez Toshiro. C'est vraiment un truc que j'adore. Suffit de gagner, c'est ça. Je n'en attendais pas moins que tout, pas moins de toi. Je vais y arriver avec cette phrase. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu dommage, résultat, qu'on doive buter des holos dans le jeu. Ça aurait été sympa, je sais pas, de trouver un truc en rapport justement avec le foot au niveau du gameplay. Ça aurait été super marrant. Genre défoncer bah, les collégiens en footeux. Non, ça aurait été un peu glauque quand même. Que les ennemis soient les collégiens footeux là. Ça aurait été un peu glauque, mais en même temps, ça aurait été marrant quoi. Avec en effet de mort un truc un peu comique, je sais pas, genre ils sont propulsés en arrière à la Olivier Tom avec un ralenti. Vous voyez, il y aurait moyen de tourner ça au comique, ou alors ils se roulent par terre en se tenant la jambe, comme certains footeux qui simulent. Vous voyez le genre, il y aurait moyen de faire des trucs marrants là. Encore un acte manqué, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais ça aurait été marrant, vous voyez, il y a des idées. Bon, c'est génial, on est revenu au score. Oh! Encore un but et on prend la tête. Super cette position d'Hitsugaya, tellement surréaliste. Toshiro, allez, tire. C'est ton équipe, à toi de jouer. Entendu. Hier. On a gagné. Karine a marqué le but décisif. C'est grâce à toi, Toshiro. Tu as marqué le but de la victoire. Voilà, Toshiro qui va même jusqu'au bout, c'est au moment de marquer le but final, il fait la passe à Karine pour que ce soit elle qui marque le but décisif, quoi. Enfin, voilà, encore une fois, c'est les valeurs de Toshiro, l'esprit chevaleresque, de galanterie. J'adore ce mec. J'adore ce personnage. Voilà. Tu as marqué le but de la victoire. Je pourrais te parler un peu. La dernière fois, tu... Les voilà encore. C'est... Tu peux le voir, Toshiro. Je t'expliquerai plus tard. Va-t'en. Voilà. Et là, donc, Toshiro se transforme en Shinigami. Enfin, sort de son Gigai devant... Devant Karine. C'est donc après ce combat que Karine va apprendre à Ichigo, à Toshiro, que Ichigo est son frère. Tu portes un kimono noir comme mon frère. C'est un Shinigami. Tu n'as rien? Non, Toshiro. T'as Tony. Ta présence spirituelle est importante. Tu arrives même à me voir. Parle. Est-ce que tu sais où est mon frère? Tu es un Shinigami, non? Comment connais-tu les Shinigami? Mon grand frère en est un, il s'appelle Ichigo Kurosaki. Kurosaki? Je comprends mieux, tu es la sœur d'Ichigo. Non, je suis désolé, je ne sais pas où il est. Ah. J'adore aussi la position, ce sprite avec la position d'Hitsugaya où il a la main sur Yorinmaru. Clairement. La grande classe de sprite. Mais je sais qu'il existe. Mais je sais qu'il essaye de devenir plus fort, comme toi. Comme. Attends. Excusez-moi, hein. Quoi qu'il arrive, je n'abandonne. Il n'abandonne jamais. Il est comme ça. Ne t'inquiète pas, c'est ton grand frère. Tu as raison. Capitaine, vous n'êtes pas blessé. Donc tu es en retard. Elle aussi, c'est une Shinigami. Oui, elle est sous mes ordres. Eh ben, tu as même des soldats.
capitaine, cette petite, c'est la petite sœur d'Ichigo. La sœur d'Ichigo? Enchanté, capitaine, et t'es vraiment le meilleur alors. C'est la classe Satoshiro, pas mal pour un écolier. Ça va l'énerver. Que. Rangiku qui se fout de sa tronche en plus. Tu te trompes complètement sur mon compte, je ne suis pas à l'école primaire. Voilà, et c'est comme ça que se termine cette histoire secondaire. Et voilà. Ouf. Est-ce que je l'ai ou est-ce que non? Ok, donc c'est la fin. Écoutez, ce que je vous propose, c'est voilà, là j'ai assez d'orbes pour faire un tirage. On va faire un tirage ensemble. Et on verra la Lamp Society, qui est un épisode, enfin, qui est un ou deux épisodes, je sais plus. Non, c'est un seul épisode, je crois, mais je ne me souviens plus vraiment de l'histoire. C'était pas un épisode qui m'avait marqué plus que ça. On va récupérer juste ce qu'il faut. Je vais voir si ce Toshiro, je l'avais déjà maxé ou pas. Et on va faire un tirage. Oui, il est déjà maxé. Ah, par contre, j'ai pas vu, j'ai un. Attendez, je maxé ce personnage-là rapidement. Enfin, on va le maxer rapidement ensemble. Quoique, je dois pas avoir. Non, je dois pas avoir ce qu'il faut pour le maxer de toute façon. Je dois pas avoir les personnages, enfin, suffisamment de personnages pour le maxer. Donc, on va attendre un petit peu. Hop. Et puis voilà, on fera le tour sur mes personnages plus tard. Je sais plus si je vous avais montré mon équipe de PVP. Bon, c'est celle-là pour le moment. Et ça, c'est mon équipe de groupe actuel. Voilà. Hop, on va faire. Un petit tirage. En plus, c'est le tirage de Hellverse. Qui sera certainement le prochain arc hors série qui va sortir sur le jeu. Alors c'est bizarre, ils vont sortir Hellverse avant Fate to Blake apparemment. J'ai pas regardé l'émission là récemment, donc mais apparemment ça va se passer comme ça. Allez, Ichigo. Allez, je veux Ichigo. Je veux Ichigo. Allez, 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 allez! Non! Non, 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 non. Non, non, non. C'est raté. C'est raté, c'est raté. Tant pis, tant pis. Bon. Bah écoutez, juste en attendant, voilà, de passer à la suite, je vais terminer cette vidéo, donc. En vous parlant un petit peu, donc, notamment de ce que j'ai dit sur DMC. Détroit Metal City. J'ai été très déçu par des. Enfin, c'est drôle, certes, mais. Je vous ai dit, je me suis senti un peu insulté en tant que métalleux. Parce que c'est clairement pas représentatif du métal, quoi. On pourrait en parler vraiment. Voilà. Sérieusement, mais. Mais comment, on. Le métal, c'est pas ça, quoi. C'est beaucoup plus profond que ça, et voilà, quoi. C'est vraiment pas représentatif de ce qu'est réellement le métal. Bon, bah écoutez, je coupe, et puis bah, on se retrouve pour la Lamp Society. Pour une fois, voilà, vous n'aurez pas un épisode d'une heure, vous aurez un épisode d'une demi-heure. Et puis bah je vous dis à la semaine prochaine.